Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, Neon Abyss, nouvel épisode, mais aujourd'hui quelque chose de particulier, je sais pas si je l'aurais mis dans le titre de cette vidéo, mais regarde. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, là on est dimanche matin, j'ai envie de regarder une vidéo, et le mec il fait le con avec sa souris. Je te montre ça parce qu'en fait aujourd'hui nous testons la bêta d'une mise à jour. Incroyable. La bêta d'une mise à jour, une grosse mise à jour du jeu qui ajoute pas mal de trucs, qui change pas mal d'autres trucs. Je vais essayer de te citer quelques trucs dont je me souviens très rapidement, mais on découvrira au fur et à mesure et je me rappellerai et je te dirai au cours de la partie ce dont je me souviens. Mais voilà, on va tester aujourd'hui la bêta de mise à jour, ce qui normalement va me faire recommencer la partie, normalement, mais peut-être pas, on va voir. Salut Walinia, j'espère que tu vas bien. Mais du coup, voilà, donc a priori le shop au premier étage est à moitié prix. Qu'est-ce qu'on a principalement? Il y a des familiers qui ont été enlevés. Donc les trucs qui sortent des œufs, il y a des trucs qui ont été enlevés et en fait ils sont placés, donc c'est en gros les familiers chiants. Les familiers chiants ont été enlevés et sont placés dans des œufs autres, donc des œufs, des bad eggs en gros, hein, des bad eggs, donc des mauvais œufs que vous devrez ramasser manuellement dans le jeu maintenant. C'est plus comme les autres œufs en fait. Donc on va voir ça aujourd'hui et il y a pas mal d'autres trucs, hein, donc on verra ce que ça dit. Donc on entre dans le bar et je vais regarder vite fait du coup ma progression, est-ce que ça a marché ou pas. Alors je pense que oui puisque j'ai le personnage féminin. Le texte n'est plus en... le texte était jaune avant, non? Et j'ai gardé mes sauvegardes, intéressant. Ok, bon, j'ai gardé ma sauvegarde. Bah, il disait que au cas où il fallait faire un backup machin, mais visiblement ça marche. Bah écoutez, bah on... Pas l'air de recommencer de zéro. Je devrais peut-être... J'aurais peut-être dû supprimer mes fichiers de sauvegarde. Bon allez, parce qu'on quand même faut avancer. Ah voilà. Là d'accord, j'ai les nouveaux personnages. Donc si vous avez acheté le jeu, donc là faut l'acheter très vite, hein, faut y aller là. Parce qu'au moment où tu vois ça, en fait il est trop tard déjà. Donc reviens dans le temps, reviens en arrière quelques jours et achète le jeu. Hyper important. Donc on a Saya qui joue mi-cac, mi-distance. Et Amir, Amir il fait quoi déjà? Oui, il a 6 cœurs au début, mais il perd un cœur à chaque fois qu'il change de niveau. Et il peut voler quand il a plus de réceptacle de cœur. Donc vous jouez full devil deal avec lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on va rester sur du basique. Hein. Pour essayer de découvrir la mage sans partir sur des trucs où je vais pas réussir à jouer. Après, si vous voulez, je jouerai un peu Saya parce que ça a l'air de vous plaire dans le chat. Mais voilà, salut Fougère, quand tu vas. On va partir sur Anna. J'aime bien Anna en vrai. J'aime bien Anna. Je trouve que c'est le bon compromis. Bon bah on y va, ça marche toujours pas? Non. Let's go. Oui voilà, oui, sauf qu'en fait, il voit la description des objets. Oui voilà, c'est ça, il voit la description des objets. Non, j'avais acheté ça à la fin du live. C'est bon, je me souviens. Du coup, ce que je voulais vous dire... Oui, maintenant dans le shop aussi, on voit le nom des objets. On voyait pas ça avant, c'était un petit peu dérangeant. Maintenant on voit le nom des objets. Voilà, important. Nous allons voir ça en quelques instants. Bon, j'ai 3 cristaux. On va dire oui. Il y a un autre truc, c'est que si vous remplissez la barre angélique et que vous partez ensuite sur du Devil Deal, vous ne perdez plus entièrement la barre angélique. Si jamais vous refaites un truc angélique derrière, vous perdez que la moitié de la barre. Il y a pas mal de choses qui changent comme ça. Lanterne, on l'avait déjà eu, hein. Chance de tenir un lutin protecteur quand vous êtes blessé. Bon, on va peut-être voir enfin ce que c'est. Putain, cette tronche que j'ai. Ah ouais. Donc là, c'est 3 toujours, hein. Ouais, 3 toujours. Ok, on y va. Bon, j'imagine que les explosions font mal, donc on va faire gaffe. Ah, des nouveaux ennemis. Nouveaux ennemis, très bien. Mais non, mais... Attendez. Parce que moi, les nouveaux ennemis, je les ai jamais vus. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous expliquer ça après. Par contre, il faut qu'ils attaquent à un moment donné. À un moment donné, ça va se voir. Mais... Allô? Ok. Alors... Avant, apparemment, les ennemis, il fallait les débloquer dans le truc de compétences, là, le truc que je vous ai montré la dernière fois, le tableau où vous payez des points pour avancer.
Et maintenant, en fait, les ennemis se débloquent, les nouveaux ennemis se débloquent quand vous battez certains boss, ce qui est beaucoup plus logique, ce qui correspond plus à ce qui se fait notamment dans Isaac. Mais voilà. Ça, cette salle-là, on l'avait encore jamais vue, je crois. Je vais peut-être. Je vais pas ouvrir le coffre. Par contre, ça, je peux le dégommer gratuitement. Oui, bon, peut-être ouvrir le coffre alors. Allez, on ouvre le coffre. Merde. Je gourde de touche. Non, mais ouvre-le! Ok, ça valait le coup. Ça valait le coup. On y va. Je ne sais pas à quoi ressemblent les mauvais œufs. Nous verrons. Ok, ça c'est bon. Putain, ok, change d'étage. J'ai fait deux fois la connerie. Hein. J'ai fait deux fois la connerie là. Mais moi, les trucs explosifs, j'ai besoin d'un petit temps hein, pour m'y faire. J'ai besoin d'un petit temps pour m'y faire. Ok. En fait, le problème, c'est qu'il faut que je sois cac pour les déclencher, eux. Et que derrière, je me prends les dégâts d'explosion, quoi. Ok. Bon, j'ai compris. J'ai compris l'idée. On va y arriver. Ça a changé, Isaac. Ah bah, ça... Je te le fais pas dire. Ah non, hein. J'ai peur. Je pensais que ça allait recommencer, le bug, là. Alors, de ce que j'ai vu, ils ont pas l'air d'avoir corrigé le truc que j'avais eu la dernière fois, qui m'avait bloqué au milieu d'une salle. On a vu un petit bug... qui les avait empêchés de terminer une run. Allez, on a le temps, ok, on a le temps. Non mais arrête, arrête, arrête tes conneries, vraiment. Fais un effort. En plus, j'ai carrément le temps de les tuer. Hein. Ok. Ok. Excusez-moi, hein, c'est le temps de me remettre dedans. Hein. Moi, vous savez, je joue pas un jeu pendant une journée, c'est fini, hein, y a plus personne. Hein. Y'a plus personne. Le jeu a l'air bien, il est archi bien le jeu. Par contre, on voit que ces ennemis là, je sais pas si c'est tout à fait normal. Nice. Ah, mais en fait, on peut les tuer quand même. C'est juste qu'ils prennent. Il faut beaucoup plus de dégâts peut-être. Ok, je sais pas. Très bien. Bon, on y va tranquille. Hein. Des bisous, Fulgu, si tu t'en vas. Je sors dehors prendre l'air quand même. J'ai envie de regarder le stream, mais faut prendre l'air un peu. Bien sûr! Hyper important, prenez l'air. Hop, on se met là. Tout péter. Intérêt. Ah oui, non, mais attendez, je peux y aller non, moi? Oui. Ok. J'ai pas beaucoup de vie hein, parce que je fais le con. Tout va bien se passer. Tellement de loot. Deux clés, ah oui, d'accord. Ils ont peut-être augmenté un petit peu le drop de ressources. Peut-être. Mais non, mais en plus, je le sais qu'il faut pas faire ça. Terrible ça, ok. On a enfin des cristaux. Je pense que ils ont peut-être diminué un tout petit peu le drop de. Je sais pas, je sais pas du tout. Hein. Peut-être qu'ils ont diminué un petit peu le spawn de cristaux, mais augmenté un peu le spawn des autres ressources. Parce que c'était pas hyper équilibré, je trouve, avant. On a le shop là, j'ai que 14 de thunes, c'est pas dingue. Hein. Pas se mentir. Yes, yes, yes. Salut Gifred, comment tu vas? On va mettre une petite clé là-dedans. Voilà, récupérer un objet. Très bien. Ah, la souris qui sort plus de l'écran, ça fait plaisir quand même. Hein. Oh, un nouvel item. Jamais vu celui-là. Ça va, le son est bon pour vous? Pas trop fort? Sang de berserker. Fureur contrôle votre corps, mais moins vous avez de pièces, plus vous tirez de balles. Ok, intéressant. Intéressant. J'ai l'île de Tsushima qui m'attend, pas de problème. Attendez, je regarde mes tweets. Ok. Ok, bon go, tout va bien. Tout va bien. Hop. Is ok, parfait. Bon, le shop, on va pas. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Oh, la tronche que j'ai, incroyable. Oh. Ça, c'est plaisir. Ah, c'est dommage. J'aurais dû prévoir ça. Onde dorée. Quand balle touche la pièce, elle se dédouble ou disparaît. Je sais pas si j'aime bien ce que je vois là. Est-ce qu'on aime bien ce qu'on voit là? Ah, je sais pas dire. Je crois que je préfère mon arme de base. Sincèrement, je crois que je préfère mon arme de base, donc tant pis. Pour l'instant, du moins. Pas très précis, bah c'est compliqué quoi. Ça va, j'ai l'impression que ça va aller un peu plus loin, ça a plus de portée,
Mais plus chiant à jouer. Par contre, faut pas que j'oublie d'utiliser les téléportations. J'ai vu pas de stream demain. Pas de stream demain, oui. Pas de stream demain, je fais la solution de Paper Mario. Je serai pas hyper dispo et j'ai pas envie de me rusher la gueule et de pas être en forme en fait sur le stream de demain. C'est ce qui me fait un peu peur. Par contre, j'ai pas 1000 cristaux. Hein. À l'entrée, c'était quoi ici? On sait pas en fait. D'accord. Bon, si je trouve des cristaux, j'ai l'impression qu'ils ont diminué le spawn. Ou alors c'est juste que j'ai pas de chance, hein. Ça fait qu'un seul niveau que je fais. Ok, on peut quand même les tuer même s'il y a un bouclier. Ok. Et c'est peut-être parce que j'ai nickel. Nickel ce qui vient de se passer. Ah par contre je peux plus aller là-haut. Donc ça c'est con en fait. J'aurais dû regarder avant de tout péter. Oui il y a ça aussi. Je crois que quand la machine se casse, elle s'ouvre maintenant. Alors qu'avant quand elle se cassait, bah elle se cassait et merde en fait. Mais non mais je suis con. Je peux y aller là. Évidemment que je peux. Ok donc là du coup si je mets un... Oh j'ai 50. Vas-y. Je sais pas pourquoi je fais ça en vrai. Peut-être juste pour voir si effectivement ça marche. Est-ce que j'ai bien compris? Bon, on verra pas tout de suite, tant mieux. Deux cristaux, ok. Je vais ouvrir la porte là-bas en bas. On va ouvrir ça. Ma barre angélique est déjà bien remplie. Nice. Rien, une clé, ok. Une bombe, ok. Ok, bon. Pas folichon, hein. Pas folichon. C'est quoi cette coupe de punk? Mais je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. Et moi, ma foi, ça me va bien. Salut Galux, comment tu vas? Ok. Deux œufs. On va aller... On n'a pas d'œufs d'ailleurs. On n'a pas d'œufs du tout. Il y a peut-être aussi moins d'œufs qu'avant. Parce que avant on avait beaucoup d'œufs. Hein. Très bien. Oh putain, full cristaux là. J'ai pas besoin de ce baril là, donc on va le faire péter. Et c'est la porte du boss. Ah, la porte du boss est ouverte directement maintenant. Il n'y a plus une porte qui la ferme. Ok. Intéressant. Je vais retourner au début pour aller faire la petite salle qu'on a eue. Et on aura fait le tour de l'étage. Ça lui va pas, je suis désolé. Bon, oh, si, ça va. C'est bon. Ah oui, une pièce quoi. D'accord. Je sais pas si ça valait le coup. Mais on est tellement proche du truc divin là. J'avais pris ça, hein. Oh, d'accord. Ok. Ça, je reparle vite. Je reparle vite, faut que je me calme. Et donc, on a le shop encore qu'on peut faire. Et j'ai 52 thunes. 52 thunes, ça peut. 3 cristaux. Il suffit d'un item pour voler et tu sèches la run. Bon, peut-être pas quand même, mais. Bon. Bah, en vrai, on n'a pas eu grand chose pour l'instant. Ah oui, au premier étage c'est moitié moins cher. Mais oui, c'est trop fort. Ah ouais. Donc là on a œil de lynx et le monocle. Malheureusement je peux pas prendre les deux, il me manque 5 pièces. Putain mais je vous l'ai dit tout à l'heure et j'ai oublié quoi. Au premier étage les objets sont moitié moins chers. En vrai Donc c'est moins 50% sur le premier étage. Après c'est les prix normaux. C'est pour ça que là c'est que 35 pour un objet. Donc en vrai c'est tentant quand même de prendre le monocle. Je sais plus ce qu'il faisait exactement le monocle. Je crois que c'était pas ouf. Mais l'œil de lynx, est-ce que vraiment... Parce qu'en vrai je peux prendre œil de lynx, une grenade et un cœur. Pour dépenser toute ma thune. Il y a eu une mage. En fait là c'est un test d'une future mise à jour. Où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc j'ai décidé de prendre et de tester avec vous. Et comme ça je ferai des bug reports si on voit des choses passer quoi. Salut Aquabres, comment tu vas? Il y a un truc qu'ils ont pas fait pour l'instant mais qu'ils vont faire, c'est si je mets mon curseur là, mon personnage se retourne en fait. Et ils vont faire aussi la possibilité de choisir l'angle d'une grenade je crois. Mais je crois que c'est peut-être même là déjà fait, je sais plus, je vais essayer pour voir. Ouais c'est ça. Vous voyez, on voit exactement où je vais la lancer. Par contre je crois qu'une fois que je peux plus... Ah si c'est bon, j'ai réussi. Donc on voit maintenant où on lance. Ok. J'hésite. Le monocle, je sais plus ce que ça faisait. Ça. Les ennemis touchés par cette arme sont marqués. Vous pouvez les faire exploser. Ok, ça a l'air génial. Et du coup, ça fait exploser tous les ennemis marqués. Coup de cristaux. Ah, ok. Ah oui, ok. Ah oui. Ah oui. Intéressant. Du coup, je vais peut-être prendre... Peut-être pas prendre le cœur quand même, si. Bon, c'est long là, mes décisions. Allez, on y va là. On va avancer.
Bon, c'est en vrai, j'aurais dû garder ma thune et si j'avais plus 5, prendre le monocle, mais je pense pas que j'aurais de l'argent au boss. Voilà, y croire. On verra. On va voir ça dans quelques instants. Est-ce que vous avez RT le tweet d'annonce? Je compte sur vous. Hein. Tic, tic la moquerie. Rien, il donne pas de sous. Hein. Merde, j'ai pas vu celui-là. Ok, je l'ai déboîte. Je l'ai déboîte, la pomme dorée c'est génial. Améliore votre arme, augmente légèrement votre vitesse de déplacement. C'est génial. Vous êtes sûr que le jeu est pas trop fort? Donc le jeu est trop fort. C'est génial. Let's go. Ils ont aussi enlevé le fait que certains boss devenaient invincibles avec certains builds. Donc ça sera beaucoup plus équilibré aussi. Parce que des fois on avait une arme pétée et le boss prenait pas de dégâts. Ça n'arrivera plus. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus fort que la dernière fois en vrai. C'est baissé un tout petit peu. Mais léger hein. Un jour j'apprendrai à cliquer sur audio. Voilà. Je pense que c'est bien là. Ouais quoique, non c'était bien avant. Excusez-moi hein, mais j'essaye de voir un petit peu. Peut-être 90, allez. Ouais, ça a l'air bien. Ok. Ok, excusez-moi. Hop. Let's go. Ouais, donc je peux effectivement les buter même si elles sont en forme de roche. Je l'avais même pas vu m'approcher. Ok. Comme ça. Ah, je passe pas là? Ok. Ah, je laissais pas eux. Très bien. Voilà. Non mais je voulais mettre un coup de schlass. Ça c'est encore mal foutu je trouve. Ok. Let's go. C'est bon pour vous là le son? Nickel. Ah, il reste un ennemi. Ok. Toujours pas? Il faut combien? Eh bien. Ah, j'ai eu mon Angel Room. Yes. Et là-haut, par contre, je ne peux plus y aller, malheureusement. Si? Bah si, là, encore une fois. Attends, je me fais avoir, encore une fois. Terrible. Terrible d'être aussi court. Excusez-moi. Pour des mots... Un nouveau familier. Cactus, non? Non, il existait déjà, le familier. Je crois pas qu'ils aient fait de nouveaux familiers en vrai. Je pense pas. Mais en vrai, la mise à jour est déjà tellement fournie que bon. Ah, le Graal. Le Graal, je sais que c'est fort. La puce prophétique, je ne sais plus. Mais le Graal, je sais que c'est bien. Quand tu as un ennemi avec des bombes, vous avez une chance d'obtenir une barrière de protection. Et je crois qu'en fait, ça marche pas que avec les bombes. Mais ça, je crois que c'est un bug. Je crois que c'est un bug, mais ça marche pas que avec les bombes, il me semble. Après l'avantage c'est que je fais tout péter. Très bien. Petit ourson. Ok. Plié, ça c'est bon, petite pièce. Rien ici. Heureusement j'ai pas fait péter ça. Couchlas. Hop, une pièce, nickel. Parfait. Et on continue. Pistole là. Ah oui. On loot des objets comme ça dans... D'accord. Je l'ai jamais vu cet objet là. Boîte à bijoux. Chaque fois que vous utilisez une clé, vous avez une chance d'obtenir une barrière de protection. Bah super. Et bah super. Le chat est trop chiant. Le chat? Quel chat? Ah, le familier chat. Oui, mais il est dans cette mise à jour là, en fait, il sera dans un œuf spécial. Il sera plus dans les œufs normaux, en fait. Là, il y a le shop, mais vu que cette fois, il est plus à moitié prix, je sais pas si vraiment on va y aller tout de suite. Je vais économiser mes cristaux pour l'instant.
On a eu l'Angel Room en tout cas. Oh, merde, quel con. Et où sont mes ennemis? Ah. Nickel. Désolé, je me concentre, hein, je parle un peu moins, on voudrait pas. Très bien. Mais en fait, j'ai l'impression que je peux mettre des coups de chlasse. Ouais, je peux totalement mettre des coups de chlasse à mes familiers en fait. On pouvait pas faire ça avant. Ok. Récupérer ça. Le bouclier que j'avais pas vu. Et on va pouvoir avancer par là. Ouais, non, c'est cool. Franchement, la mise à jour qu'ils ont fait, elle est vraiment cool. Par contre, ça avec mon build, c'est trop chiant. Eh merde, il s'approchait de moi, je l'ai pas vu. Non mais en fait, je suis vraiment obligé d'attendre qu'il m'attaque. Ok, non c'est vraiment ça. En fait, je sais pas, des fois j'ai l'impression que... Vous voyez, genre lui il m'attaquait pas et j'ai pu. Trop bizarre. Je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. Certains ennemis. Ok, bah nickel. Bon, c'est généreux en ressources quand même. Hein. Je sais pas si j'ai changé quelque chose à ce niveau-là, mais c'est généreux. Ok. Donc là, on a plein de cristaux, donc on pourra potentiellement ouvrir le shop. J'ai 43 de thunes, ça commence à sentir bon. Merde, le cristal. En plus, je me suis teint le cristal. Mais en vrai, on pourrait partir sur Devil Deal. Hein. J'ai beaucoup de cœur avec ce personnage-là. Hein. On peut partir là-dessus. On va essayer. Pour l'instant, ça n'a jamais été 3 à mon pif, j'ai toujours fini par me faire zgouter. Mais pourquoi pas. Alors, cette mise à jour. Bah écoute, pour l'instant, ça change quand même positivement les choses, je trouve. Ouh. Quand même pas mal. On a quand même beaucoup de ressources. Je pense qu'ils ont vraiment changé ça. Bombe souriante. Votre bombe supprime les balles dans une certaine zone. Ouais, c'est pas dingue. Les bombes, j'utilise très très peu en vrai. Bon, le boss est déjà là. Mais on n'a pas visité là-haut. On y va. J'ai masse, cristaux. On va voir. Pas d'ennemis ici? Non, j'ai déjà fait, je suis con. J'ai déjà fait. Alors. Ok. Je vais juste faire le tour. Compris. Et. Un peu étrange cette salle, tiens. Je crois qu'on l'avait encore jamais eu. Voilà, ok. Et donc de ce côté-là. Ouais, mais est-ce qu'on veut vraiment partir en Devil Deal? On peut, hein. Juste que ça commence à coûter cher, quoi. Allez, on y va. Ok. Bon, moi j'ai un peu de thunes. C'est au moins l'avantage. Hop, on y va, on monte. Salut Chris, comment tu vas? C'est comme les balles à blanc dans Enter the Gungeon, ce que tu viens d'avoir. Je sais pas. Je connais pas assez le jeu, je t'avoue. Comme celui-là. Enter the Gungeon, j'ai très rarement vu le jeu. Pas suffisamment pour pouvoir en parler, quoi. Let's go. Oh! Nice. 70 de thunes, ouais, on va aller au shop. Hein. On va aller au shop, clairement. Et on ira au boss ensuite. J'ai full cristaux de toute façon dans l'étage. Pourquoi il m'a dit bonjour? Ah non, t'as dit coucou Maël. J'avais cru lire coucou Holo en fait. Mon arme me va bien pour l'instant. Même si j'utilise pas trop son passif. Ça c'est... Ah, hirondelle c'est pas dingue je crois. Je crois que c'était pas dingue. Clé spatiale. Chaque fois que vous tuez un ennemi avec des dégâts de mêlée, vous avez une chance d'obtenir une clé. La mêlée, hein. La mêlée, faut vraiment qu'ils trouvent un moyen de rendre ça mieux, parce que pour l'instant c'est vraiment pas dingue. Ça donne pas envie d'utiliser pour l'instant en fait. On va partir là-bas où je récupère. Ouais, je vais quand même récupérer mes cristaux. Quand même. Salut Citizen. Salut Platy. J'ai reçu la notification du chelou Shiny sur YouTube. Seulement maintenant? Très étrange que tu l'aies reçu que maintenant.
Mais merci, c'est gentil. Ah mais oui, faut que je trouve la zone secrète, faites bien de me le dire. Mais en vrai là je vais pas utiliser mes grenades, hein. Je vais juste utiliser mes... Je vais utiliser mon arme. Je vais utiliser mon arme. Alors la zone secrète, bon je pense pas qu'elle soit là, parce que c'est pas atteignable. Alors que là... Ou en bas, déjà beaucoup plus. Ok, c'est pas ici. Ça peut être là en bas. Donc là en bas ça va être où? Là? Yes. Ok! 25. Je pouvais acheter un bouclier je crois pour 25. Il y a un perso se humilier et plus tard il y en a d'autres. Oui non je sais bien, je sais bien. Là je parle de mon build actuel. Et je trouve que la mêlée est pas hyper engageante quoi, t'as pas envie. Enfin, je trouve que ça fait pas envie. Hop, on y va. Le boss. Et là faut ouvrir la porte, ok. Remington on connaît bien, j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à lui. Peut-être aujourd'hui le premier jour où je vais galérer. Ça devrait aller. Ça a été. Hop, le petit bouclier. Et on a protocole bleu. Laissez-vous guider, ajoute des boucliers, améliore votre arme. Ça me va. J'ai l'impression que ça améliore ma portée. Améliorer mon arme, sur celle-là, j'ai l'impression que ça améliore juste ma portée. Ok, on y va. Pas rien à faire ici. On essaie d'avancer un peu plus vite dans les niveaux, hein. D'être moins lent. J'ai pas de thunes, donc le shop pour l'instant ça va être un gros non. Après je suis sur un devil deal. Yes. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Ça se passe plutôt bien. Ça va, c'est agréable à regarder toujours. En vrai, l'item popcorn plus un item de vol peut vraiment carry une run entière. Mais pourquoi l'item de vol du coup? Pourquoi tu... Parce que ça fait deux fois que tu me dis le vol. Pourquoi le vol spécifiquement avec cette arme là? Enfin, ce build là, on va dire. Je vois pas vraiment, je t'avoue. Con. Je fais le con. Ah bon, devil deal, c'est parti. J'y suis allé, j'ai même pas regardé ma vie. Hein. Oui, la balle vibrante n'est plus dans le jeu actuellement d'ailleurs. Tu sais, la balle vibrante, le truc qui était un peu relou là avec les tirs. Elle est plus dans le jeu. Je pense que je peux récupérer un devil deal tout de suite si je me tabasse avec la porte du shop. Je pense que c'est ce qu'on va aller faire. C'est un peu risqué. Mais non, mais je voulais me tabasser. Famine. Famine à 40. Après famine, je crois que jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je l'ai eu, j'ai perdu. Hein. Je crois, alors que c'est une arme de ouf. Hein. Devil Deal, en fait, c'est quand ma barre rouge là-bas est pleine. Tu peux la remplir avec différentes actions. Quand elle est pleine, ça m'ouvre une salle... Enfin, c'est une violent room, donc une salle violente en français, qui me permet d'échanger un de mes cœurs rouges contre un objet, en fait. Il est similaire au Devil Deal dans Isaac. Je dis Devil Deal par abus de langage. Hein. Avec le vol, tu as énormément de mobilité, avec popcorn, explosion, tu en as besoin pour éviter de t'auto-exploser, puis sur certains boss futurs, le vol est vraiment utile. Oui, ça je suis assez d'accord, le vol sur certains boss c'est carrément pété, je trouve. Et... J'ai pris des dégâts là? J'ai pas l'impression d'avoir pris des dégâts. Bizarrement. Rappelez-moi toujours de check les salles secrètes avant la fin des étages. Et là j'ai pas pris de dégâts. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pas pris de dégâts? Quelqu'un sait me dire? Genre j'ai touché un ennemi et juste j'ai clignoté mais j'ai pas pris de dégâts. Étrange. Bon, normalement c'est violence et sagesse, non? J'ai commencé le jeu hier, je suis un peu perdu que... Sur certains trucs, encore. Oui, bah ça doit être ça, oui. Parce qu'en anglais c'est wise et violent. Donc en français oui, ça doit être ça. Ça doit être violent et... Violence et sagesse. Ah, nouveaux ennemis, je connais pas eux. Et du coup... J'ai pas trop compris.
Mais une nouvelle ennemie en tout cas. Ok. Ouvrir une pièce. Tu as 9, ah oui. 40, ouais. 40, c'est loin. Ah, j'ai un bouclier là, ok. Ah oui, donc ça marche vraiment bien. C'est que quand j'explose un ennemi, j'ai un bouclier quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Petit bouclier. Ouf, ça fallait être dans ma tronche. Un casque. Jamais vu ce casque là, tiens. Casque de chantier. Vous ne subissez pas de dégâts environnementaux. Genre les pics, c'est trop bien. Salut Zenkai, comment tu vas? Salut Noix de Coco. Oh bah là c'est gratuit. Bien. C'est grand cet étage là par contre hein. Dommage, j'ai eu le bouclier juste après. Alors que mon dégât. Ok, pas d'éclosion. Rien ici. Rien par là. Et là on peut ouvrir. Ok, ouh. Ça c'est un plaisir. Bon, est-ce que je reprends famine ou pas? Il est sur Switch le jeu. Oui, il est sur Switch, mais pour l'instant, il est pas hyper optimisé sur Switch. Est-ce qu'on prend famine? Qu'est-ce que vous en dites? Les pics, les salles à laser ou les massues qui tournent. Le casque te protège. Ça, c'est cool en vrai. Parce que le masque de Kendo, ça me permet d'éviter les attaques de mêlée. Parfois. Parfois. Famine, c'était fort. C'était pas non plus insane. Surtout que ça va peut-être me faire perdre le bonus d'explosion. Mais c'est la tête chercheuse. Ah, je sais pas. En vrai, je pense que je vais garder mon arme. Je sais pas pourquoi. J'ai la sensation que si je prends Famine, ça va être de la merde. J'ai une mauvaise expérience avec Famine. En fait, c'est comme dans Isaac. Dans Isaac, il y a des items qui sont juste pétés. Mais t'as des gens qui savent pas les jouer et t'as des gens qui vont être forts avec. Et c'est pareil, t'as des items qui sont nuls. Et des gens qui vont les jouer qui vont être ouf avec. Et d'autres qui vont être immondes quoi. Genre IPCAC. En fait eux ils sont relous. Faudrait les faire en couteau je pense. Enfin, sauf que je one shot pas en fait. J'essaye hein, mais j'essaye au cac mais c'est pas dingue. Ils sont chiants en vrai, quand t'es dans une salle comme ça c'est trop chiant. Ok bon ça c'est gratuit par contre. Prendre. On va ouvrir ça. Pas exploser les murs des salles secrètes avec famine. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que je pense pas le prendre. Vous obtenez une barrière de protection temporaire par salle. Alors on commence à être pas mal hein. Elle est pas là la secret. Ok. Bon. Vous voyez la barrière de protection m'a aidé là. Bon j'ai toujours pas de devil deal, ça me saoule un peu. Je vous avoue. Je fasse gaffe à ma vie, en vrai je joue mal. On va ouvrir ça. Ok, pas mal. Non, c'est pas ici. Full cristaux hein. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, le drop de cristaux a l'air d'être le même qu'avant. J'ai 10 bombes. Peut-être que je m'en serve un jour. On va aller là. Peut-être une salle secrète là du coup. Non. Ok. On veut faire un devil deal, donc en vrai. On y va. Hein. Et j'ai pas perdu de vie là si. J'ai l'impression de pas avoir perdu de vie, mon bouclier était plein. Je fasse plus gaffe à ma game. Je fais pas gaffe du tout là. Voilà, donc Devil Deal, je paye un cœur et on me propose 3 objets. On a l'orange mutante, le virus c'est nul et le diamant de pouvoir je crois que c'était pas mal. Mais l'orange mutante j'ai jamais eu donc on y va. Cet orange vous rendra super fort, augmente votre vitesse de déplacement et vos dégâts d'armes.
Ok. Ça a l'air pas mal. J'ai testé ici, j'ai testé là. Donc ça doit être là. Ça doit être ici. Tout à fait. T'as perdu un demi-bouclier. Ok. Oh putain, là, c'est le... Oh là là, le jackpot. Oh le jackpot. Oh là là. Oh le plaisir, quoi. Ah mais ça, quand t'as une arme qui fait tout péter. Oh, quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Ok, bah je vais retourner au shop, hein, j'ai 124 de thunes. On va retourner au shop, c'est juste là-haut. Parfait. Ça se passe très bien, Fulgu. Ça se passe très très bien. Je prends le bouclier. La grenade, non, ça je pense pas. Et le masque de Kendo, en vrai, je pense pas non plus. Ça peut m'éviter juste les dégâts de... Les dégâts de mêlée parfois, je pense pas. Je pense pas. Je pense que je vais garder ma thune pour, pour l'étage suivant. Et on y va du coup. Let's go. Lock, ok. Ok, ok. Par contre, ouais, j'ai sauté en fait. Yes. Ajouter un sceptre de cœur et rend des cœurs, c'est cool. C'est cool, j'ai plus rien à faire à cet étage-là, mes cristaux sont pleins, au shop j'ai rien à acheter, très bien. On avance. Le pire boss, pourquoi? Trop facile, moi. Pourquoi l'item popcorn carry une game, tu exploses tout? Ouais, en vrai, ouais, les dégâts d'explosion sont hyper violents. J'y vais... Ah! Pacte du diable. Vision nocturne. On peut pas péter l'ange? Non. C'est pas Isaac. J'hésite. Le pacte ou la vision nocturne? Je sais pas. Dites-moi. Content qu'il te plaise, du coup, Citizen, le jeu. C'est cool. C'est cool. Chaque fois que vous êtes blessé, vous avez une chance de subir le double de dégâts ou pas de dégâts du tout. Super. Super. Merci à vous. Oh non, j'ai pris... Oh, j'ai eu un petit lag. J'ai pris 0 dégâts sur la salle? Ou un genre 1,5 peut-être? Alors que j'aurais dû en prendre genre 3? Bah super. Corne de diable. Pourquoi vos dégâts d'armes et vos dégâts de mêlée? Oulala, mais mes balles sont énormes par contre là. J'ai rien pris, bah c'est grâce au. C'est grâce à l'item, vous avez été trop fort en fait. Oh, putain, direct. Direct. Pas d'embrouille. Oh! Peut-être c'est de repartir sur du la God Room là. Le bouclier quand on rentre dans une salle il est quand même fort plaisant. Hein. Je vous avoue. Ok, on descend. On y va. Il y a une pièce là. Je vais la récupérer tout de suite sinon je vais l'oublier. Toujours écouter les modos de toute façon. Oui. Calmez quand même. Ah, c'était un nouveau lui. Je connaissais pas. C'est bon? Ah non? Non! Ok. On a des cristaux, je pense pas qu'on pourra y aller là-haut. Très bien. On va essayer de repartir à God Room. Hein. En haut, on continue. Oh non, vraiment, je crois que j'ai pas pris de dégâts encore. Après, si pack du diable, c'est 80% du temps, tu prends aucun dégât, moi ça me va. Hein. Alors, on a une arme, on va voir ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc à laser, mais. Salut Enzo, comment tu vas? Porte-âme.
Libère votre potentiel. Cette arme affiche des dégâts de mêlée. Vous êtes invincible pendant une courte durée. Alors oui mais non. La portée est nulle et ça enlève mes dégâts. Ah. Oui non 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 non. Voilà. Non. Alors je connais ces ambiances. On a vécu ça. J'ai pas pris de dégâts. On a vécu ça la dernière fois, c'était déjà assez douloureux comme ça. J'ai pas envie d'en mettre une couche. Ça. Hop, on avance. Qu'est-ce que c'est un familier à moi qui tire des boules comme ça là? Bébé cactus. Inflige des dégâts quiconque le touche, très bien. Ok, j'ai 6 clés. Putain mais les grenades, j'en ai 18. J'ai mal. Merde. Ok. J'ai l'impression de prendre 0 dégâts en fait depuis tout à l'heure. Alors que je devrais. Pas me plaindre, hein, ça me va, mais bon. 144 pièces quand même. Hein. Ok, le shop. On y va. C'est une arme ça. Module Stark. Ah non, module Stark. Module Stark, c'était bien, je crois. Je crois que c'était bien. Augmente vos dégâts d'armes et la vitesse des balles. Ok. Prendre ça. Et on avance. C'est nickel. L'arme j'en veux pas, hein. Je pense pas. Je pense pas. On rigole vraiment contre le boss. Ça va être chaud. Par contre j'ai que deux cristaux donc je peux pas ouvrir la porte. Ah bah c'est bon, il y en a un là. J'ai tellement de grenades. Abusé. Ok. En temps normal j'aurais été content mais là là ça devient compliqué quoi. Donc là j'ai fait le tour de l'étage. Je peux récupérer éventuellement des cristaux. L'activation de mon arme ça fait quoi déjà? Ah oui les ennemis marqués explosent. Ça va être fort ça en vrai, je m'en sers pas du tout hein. Un roguelike platformer sorti ce mardi, tout à fait. Et on est en train actuellement de tester une bêta d'une future mise à jour pour aider les devs. Hop. Pour l'instant en tout cas pas de soucis. Bon voilà au boss. C'est le boss du 5ème étage là. 5ème étage. Non. Mac Family. J'ai mal. Si je tire au-dessus de moi, en vrai, il peut rien m'arriver. J'ai mal. Et je prends 0 dégâts en fait. Mais je prends 0 dégâts. Je suis invincible. Bon, là j'ai pris un dégât. Ajoute un sceptre de cœur, augmente légèrement vos dégâts d'armes. Et j'ai masqueur. On se casse. Si tu passes les deux premiers gardiens, c'est que tu as le build pour finir toute la run que tu souhaites. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi en vrai. J'ai l'impression que ça snowball très vite. Peut-être trop vite. Je sais pas. J'ai quand même cette sensation quoi. J'ai jamais eu ça. Voler leur dans les plumes et à vous la victoire, augmente la portée de vos tirs et votre cadence de tir. Ok, bien. C'est mon rêve dans ce jeu. Oui, non, mais il y en a plein que j'ai pas. Hein. Il y en a plein que j'ai pas, c'est sûr. N'hésitez pas hein, si vous voyez des refs. Un jeu style Hollow Knight. Pas du tout. Salut Aïcha Rototo. Pas du tout. On est beaucoup plus proche d'un Isaac que d'un Hollow Knight. Je connais pas le rose. Mon bouclier qui vient de me sauver la vie. Il reste encore des mecs là? Ah ouais. J'avais récupéré le bouclier dans la salle du boss. Hein. Rassurez-moi. Je crois que non. On est par là. Et donc ça c'est Osef. Quatre clés, ça commence à être chourax. Hein.
Ah, j'ai pas pris la grenade. Bon, normalement, je peux ça, oui, voilà, je peux. Parce que j'ai le casque. Non, c'est pas ici. Bon, là, on a une salle challenge room. Ça bug un petit peu, hein. Putain, mais le petit singe, il fait tellement de taf en vrai. Ah, celui-là, je l'ai pris par contre. Ok. Ok, j'ai pris beaucoup de dégâts quand même. Augmente vos dégâts d'armes et de mêlée. Bah, si, c'était bien en fait le diamant de pouvoir. C'est pas mal. Un petit peu d'argent. Faire attention au cœur quand même. On a perdu beaucoup de boucliers dans cette salle là. On y va. Très bien. Il me faut des boucliers. Plus des cœurs là. J'ai plus besoin de cœurs. Oh, le petit canard là. Casquette verte. Avec cette casquette, vous allez vous sentir tout petit. Découvrez le monde sous un autre angle. Mais je suis tout petit. Je suis tout petit. Quel enfer. Ouais, le singe, il est ultra vénère. Il met des tatanes à tout le monde, c'est trop bien. J'ai failli me mettre dedans. Mais du coup, là, les familiers, c'est pété, en fait, maintenant. Maintenant qu'ils ont retiré les familiers mauvais... C'est pété en fait, enfin qu'ils les ont mis dans une autre pool d'objets, c'est pété. Faut que j'arrête de mettre des coups de schlaz dans mes familiers par contre, hein. Ça commence à se voir. Yes! Godroom! Côté obscur, je sais plus ce que ça fait. Ou alors j'achète juste un bouclier. Hein. On y va. Alors, on a la gelée, donc ça, épée de sorcier, ou gel élastique. Qu'est-ce que vous dites? Et encore le Picsou. Je crois qu'il est... Bah, il doit être dans la poule normale, lui, par contre, je pense. Le gel. Ah, vous me dites tous le gel. On y va. Votre balle rebondit aléatoirement quand elle touche le mur. Ah, c'est peut-être pas dingue, ça, en vrai. Ça va me péter dans la gueule. Ah, ça va me péter dans la tronche, ça. Ok. Bouclier. Ah oui, il y a des boucliers. Allez. Ah merde. Pas de bouclier. Ok. Ok. Pas de bouclier. On va par là, en bas. Attends. Je suis vortexé entre mes dégâts et ceux de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il reste là? Ah oui, elle est en dessous de moi! Elle se TP, j'avais jamais vu ça encore! Ah! Elle se TP! Ah mais j'ai plus de bouclier en fait! Bah c'est bon, j'ai récupéré un bouclier, c'est bon! Putain, le nombre de cristaux, c'est abusé! Hein. Ouais, je pense que je vais acheter un bouclier au shop. Dommage. Ok. Heureusement que j'ai eu l'item qui me protège des dégâts, hein, parce que j'ai pris beaucoup de coups. J'ai pris beaucoup de coups depuis tout à l'heure et j'ai pas pris de dégâts en fait. Très bien. Bon, ça je peux pas. Ok. L'étage est grand. Oh putain! Je connais pas ça! C'est la première fois que je vois! Tu laisses pas des. Attends, what? Comment j'ai pu mourir là? Et je vous l'avais dit. Ah, je vous l'avais dit. Ah, c'était sûr. C'est le masque qui m'a tué. C'est tellement le masque qui m'a tué. C'est sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis tout à l'heure, je prenais 0 dégâts. Et là, en fait, j'ai dû prendre genre 3 fois d'affilée dégâts par 2. C'est sûr. C'est sûr. Trop deg, mon build était bien là. J'ai 4 trucs. 5, 5, 15. Ah oui, 15. Ah ouais.
Pack double les dégâts, ouais, pas toujours, mais là j'ai pas eu de bol là. Du coup je sais pas, est-ce que je coupe YouTube, est-ce que je refais une run vite fait? YouTube va être déçu si ça coupe là. Le problème c'est que j'ai expliqué toute la mise à jour. Je sais pas quoi faire, t'es 22h05 déjà. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi, le chat. Hop. Est-ce que je fais une deuxième run? Tout de suite, dans la même VOD. En testant, genre... Ça y est. Pour les attaques à distance et de mêler, utiliser E pour passer du pistolet au katana. Allez, on va prendre Aya. Saya, pardon. Et comme ça, au moins, on aura testé ça. C'est parti. Donc, pistolet nul. Tu maîtrises ça à mon avis, mais tu te mets tellement bien. Ok. Pas le loot. Est-ce que... Ah, ça peut totalement te faire faire un double saut en fait. Très bien. Ok. Je voulais tester ça. D'accord. Et bah ça commence pas mal en fait. Hein. Très bien. Très bien. J'aime bien en fait. Enfin, c'est je sais pas, c'est cool. En fait, ouais. Non, si, c'est cool. Salut Souriva, comment tu vas? Ok. Du coup, si t'arrives à t'améliorer sur le côté mêlée, ça peut être vraiment très fort, je pense. Hein. Non, mais ça, c'est con. Par contre, ça, c'est très très con. Là c'est moi. Nul à chier, man. Oh, cette esquive. C'est trop cool pour ça. Franchement, rien que pour ça, c'est trop cool. Trop stylé en fait. Trop, je sais pas, c'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant. C'est abusé. C'est trop fort en fait, enfin c'est trop fort. Enfin c'est pas trop fort mais je veux dire ça lui donne une mobilité de ouf en fait. Merde. Mais je vais dedans, je regarde pas. Ça peut totalement devenir mon perso préféré tout de suite déjà. Hein. Si j'arrête de faire le con. En vrai une fois que tu maîtrises, ça doit être trop trop fort, la mobilité que t'as c'est juste insane. Ah, j'aurais voulu un petit peu de cœur, j'avoue là. Oh. Non, ces dashs sont tellement violents en fait que. Je trouve ça fou. Ah, connais pas ça. Clé rouillée. Chaque fois que vous utilisez une clé, vous avez une chance de laisser tomber une bombe supplémentaire ou une mine instantanée. Ah! Ah! C'est chiant! J'ai plus beaucoup de cœur. Hein. Faut vraiment que je retrouve un petit peu de cœur. Il n'y en a pas dans l'étage? Oh, il n'y en a pas. Hein. Des cristaux. Je suis dedans.
Je joue trop mal. Je joue trop mal, mais c'est trop satisfaisant. Il y a tellement moyen de faire des trucs de ouf avec. Merci Seven Wrath pour les 13 mois. Merci beaucoup pour le soutien. Merci Seven Wrath. Re-bienvenue à toi. On y retourne tout de suite, hein. Je cherche pas à comprendre. On y va. On teste le nouveau perso. Bon, ça va, merci Soeva. Journée merdique, mais ça va. Ça va mieux. Puisque je suis sur le stream, évidemment. On peut ouvrir le shop, pas d'intérêt, j'ai pas d'argent pour l'instant. Merci Seven Wrath, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Donc ça, je peux pas ouvrir avec mon katana. Faut vraiment une grenade. Ok. Oula. En fait, je veux trop bourrer au cac. Et du coup, ça me joue des tours. C'est dommage. Trop satisfaisant, c'est vraiment trop satisfaisant. Je pense que je vais train avec elle. Parce que c'est trop satisfaisant en fait. Voilà, je veux plus faire de ce genre de conneries en fait. Ouais, en fait je me fais toucher à l'infini. Mais je pense qu'une fois que tu maîtrises, trop fort quoi. C'est hyper intéressant comme gameplay, je trouve. Moi qui disais juste avant que la mêlée ça avait pas d'intérêt, ben voilà. Voilà. J'avais tort en fait, depuis le début. Hein. Ok. J'ai une grenade pour ouvrir la porte secrète à l'entrée. Peut-être faire ça, j'ai que 8 de thunes en vrai. Tu peux apprendre que certains mobs ne vaut pas le coup de cac. Oui, non mais oui. C'est ça. Genre lui, tu vois, en vrai, comme ça, c'est beaucoup plus facile à esquiver. Il faut beaucoup plus de coups pour qu'il meure aussi, mais bon. Au moins, t'es safe, quoi. Mais ça, c'est trop satisfaisant, vraiment. Ils ont bien géré. Hein. Après, c'est peut-être un peu trop pété, parce que le déplacement est quand même hyper vénère. Faut pas s'en plaindre. Ok, ah oui non j'aurais pas assez de sous derrière. Mais du coup ça maintenant, ça je peux y aller en fait. Trop bien. C'est trop bien. Merde. Ouais, en fait, c'est un peu chiant, c'est que tu comprends pas forcément bien la hitbox des ennemis. C'est pas trop quand est-ce que tu peux les toucher, quand est-ce que tu peux pas, c'est un peu chiant. Pour ça, c'est un peu chiant. Mais j'imagine que t'apprends au fur et à mesure. Et surtout que tu fais pas tout au cac comme je fais actuellement. Oui, c'est dur à prendre en main, clairement. Bien plus que d'autres persos, quoi. Plus vous avez d'œufs, plus vos dégâts de mêlée sont élevés. Ah! Je me demande s'il y a un changement visuel sur les dégâts de mêlée, du coup. Oh bah peut-être le savoir maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une plus grosse traînée derrière, non? J'ai l'impression que la traînée bleue et rose qu'il y a derrière elle est plus large. Ah oui, ah là aussi c'était une salle... Ah ouais. Ouais. Je vais mettre des cristaux parce que j'en ai plein, mais voilà. Mais c'est vrai, c'est moitié prix, j'oublie tout le temps. Un signe de police, sinon j'ai une clé pour 15. Ou un bouclier. C'est vrai que la vie là, je suis un peu de la merde. Mais c'est parce que je connais pas bien le perso, ça. Salut Adri, comment tu vas? Super. Super. Donc là au bout, je peux pas y aller parce que j'ai pas la thune. Là en bas, j'ai pas vu. Ok, là-bas, c'est une vraie salle. On y va. En fait, parfois j'arrive à leur mettre des dégâts alors qu'ils sont encore en pierre. C'est ça que je trouve étrange. Vous voyez, genre là j'arrive à lui mettre des dégâts. Pourquoi? Parce que je lui tire dans l'œil. Ah, je crois que c'est ça. Hein. Ah, c'est ça, c'est parce que je lui tire sur le devant.
Ok. Bien. 29 de thunes. Un bouclier. J'ai même pas vu. Je manque de cœur, hein. Mais ça, c'est parce que je joue mal. Merde. Voilà. C'est bon. Tellement satisfaisant, mais oui. En fait, ça te permet aussi de t'extirper de situations un peu chiantes, en fait. Non, en vrai, vraiment, hein, je pense que quand tu le prends en main, c'est le build, enfin, c'est le perso qui t'offre le plus de mobilité et qui est le plus satisfaisant, quoi. C'est trop cool. C'est juste trop cool. Je vais beaucoup me répéter, hein, mais c'est juste trop cool. Le dash est pété, je trouve, et le combo arme plus cac permet des combos de dégâts. Oui. Non mais oui, en vrai c'est... Enfin, je trouve ça, je vous l'ai dit, hein, je trouve ça limite trop fort. Hein. En vrai. Hein. Par contre, les cristaux, là... on en parle. Ok, on a le boss juste là. J'aimerais bien voir mes dégâts de mêlée. J'ai beaucoup beaucoup d'œufs là. Ça vaut peut-être le coup d'aller faire le boss maintenant. De toute façon, je dois plus avoir beaucoup de salles à faire. Ça, c'est deux salles qui sont verrouillées par de la thune. Ah, on va aller au shop vite fait. Là. On va aller au shop vite fait, voir s'il n'y a pas un truc que je veux acheter. L'insigne de police était à 35. Je suis à 33. Sinon, j'achète l'arme. La veuve noire. La veuve noire, c'était bien, je crois. Peut-être une roulade. Ah, c'est peut-être pas si bien. Parce que même... Ah oui, c'est que même... Attendez. Ah, je peux pas... Est-ce que je peux mettre des... Ah, je peux pas, hein. Je peux pas. Je suis obligé d'attendre la fin. C'est un peu chiant. J'ai un peu peur des dégâts, en vrai, de la veuve noire. Je sais pas, on va voir. Salut F-Demons, comment tu vas? On va voir. Je vais tester. Au pire, il y a le cac. Et si vraiment c'était de la merde, bah je reviendrai reprendre mon arme de base. On y va. Tommy, ok. Ouh, je perds toute ma vie. Je fais que de la merde. Bonne franche réussite, hein. Kling Kling améliore votre arme, augmente vos dégâts d'armes. Effectivement. Effectivement. J'ai plus beaucoup de vie. Est-ce que je garde cette arme-là? En vrai, elle avait l'air de faire quand même pas mal de dégâts. Hein. J'ai que 12 de thunes. Mes cristaux sont pleins. Il y a un coffre ici, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir vite fait. C'est passé juste. Ouais, c'était pas fou, hein. J'étais pas serein. C'est une grenade. Ok, j'ai pas de grenade. Enfin, il faut une grenade, et j'en ai pas. Et mon passif, c'est quoi sur l'arme? Une roulade en avant sur une courte distance gratuite. Mais le problème c'est que... Ah si, je peux. Ah oui. Oh ouais, non mais là si j'arrive à tout mixer, mais c'est trop fort. Si j'arrive à mixer grenade, cac et pistolet, mais je suis un monstre en fait. Et bisous à Zéline. Bonne soirée à toi, j'espère que le stream t'aura plu. Pour la découverte, je pense, pour de Neonabyss, peut-être pour toi. Peut-être. Ça on va éviter, hein. J'ai pas beaucoup de vie. Ouais, je suis pas convaincu. J'suis pas convaincu par l'arme. On fait des dégâts. Ah merde. Fais ton saut et ensuite tu dashes. Ça fait plaisir. Okay. Bon. D'ailleurs on en parle pas, mais depuis tout à l'heure j'ai un petit casque de poulet là. Je veux trop aller au cac en fait. Mon arme a quand même l'air de faire de sacrés dégâts. Elle doit se recharger, mais ça a l'air de tambouriner quand même, hein.
On va aller en bas. Non mais en vrai, oh là là, putain, c'est trop chiant ça. Leur animation de mort à eux, elle est un peu bizarre, je trouve. Je sais pas trop quand est-ce que tu touches, quand est-ce que tu touches pas. Ah oui, ça c'était... Ah, je mets le feu aux objets en bois, tiens, j'ai même pas fait gaffe. Cool. 51 de thunes, c'est pas mal. Bon, ça allait mieux. J'ai une clé. Ça tombe bien. J'en ai besoin. Let's go. Allez, donne-moi un bon objet là, un bon truc. J'ai suffisamment d'ennemis et vous laisserez tomber des cœurs supplémentaires. C'est pas mal. Ça cristalle là-dedans. Et on avance. Ça va, ça se passe bien la soirée pour vous là? Vous appréciez le stream? Alors, capuche de voyageur. Assistant virtuel. Assistant virtuel, je sens que ça a de la bite. Voyager plus loin que jamais, vous pourrez faire un saut supplémentaire. On en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle que... Bah imaginez hein. La distance que je parcours juste en sautant en fait. Quel plaisir. Quel plaisir. Très bien. On a rien là-haut? Non. C'est un peu chiant. Ok. Alors là, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc? Oui, il y a moyen de faire un truc. Ok, alors il faudrait que... J'y arriverai pas. Je vais y arriver. Peut-être faudrait que je... Putain, j'ai réussi. Parfait. Ça pour aller chercher les coffres. Hein. C'est beau. Surtout que j'avais même pas besoin en fait, j'ai mon quintuple saut. C'est abusé. En vrai, c'est abusé. Je vous dis, quand je me serai fait au perso, je pense vraiment que ça va être abusé. Et... On va aller là-haut. Alors, du coup, je peux aller là, tranquillou. Craqué. C'est craqué. Alors, je vais là, mais en vrai, 52 thunes. Ah, c'est quoi ça déjà? Le pot de fleurs? Ah, je sais plus le pot de fleurs, on l'avait eu en même temps qu'un autre truc, du coup je me souviens plus ce que ça faisait exactement le pot de fleurs, vous vous souvenez vous? Sinon, il y a l'arme à 40 qui peut être pas mal, hein. Mais après bon, la veuve noire c'est pas mal, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, ça tape peu mais ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et là il y a une clé, faut que j'aille voir vite fait. Salut The Young, salut Laura, comment ça va vous? Ah oui non ok, je pouvais pas la prendre, d'accord. D'accord, d'accord. Du coup eux, c'est abusé hein. La mobilité, vraiment, elle est folle. On pourrait totalement aller là. En vrai, je pense que je vais le faire. Peut-être faire le boss avant. Ah, en fait, je devrais m'assurer d'avoir du soin. Bon. Ah, c'est bien, c'est qu'ils mettent une petite bombe maintenant. Ils mettent une petite bombe gratuite, si jamais. Alors, c'est F. Voilà. C'est bien qu'ils aient fait ça. C'était un peu trop hasardeux avant. Ok, je vais... Est-ce que je vais là? Allez, j'y vais. Ça va coûter un cœur en tout. Ah, c'est un choix alors là, ou c'est les deux? Amulette de fin. Ping-pong. Je vais peut-être prendre ping-pong. Amulette de fin, j'ai un peu peur. Ping-pong. Vous avez une chance de tirer une balle rebondissante.
Ah ouais, mais ça rebondit pas les lasers. Peut-être changer d'arme alors. On va peut-être changer d'arme. Tout ça c'est bon. Le shop. Je pense n'avoir rien oublié. Hein. 54 de thunes. Est-ce que je prends le bouclier ou est-ce que je change d'arme destinée? C'est parti. C'est à vous. Vos destins décidés. Relance vos variables. Relance vos variables d'armes. Mais c'est tout nul. Mais c'est tout éclaté. Coûte 10 pièces. Change aléatoirement les propriétés de cette arme. Ah! Je vais mettre 50 balles là-dedans, là. Je pense que ça peut être très fort, hein, mais Et là, tout de suite, non, en fait. Ah, c'est trop con. Oh là là, j'ai mis tellement d'argent là-dedans. J'ai mis tellement d'argent, vous vous rendez compte? Je me suis fait zoomouter, quoi. C'est claqué. Non, mais là, c'est pire que claqué, là. C'est éclaté au sol. Sam, dieu des écrans. Ah, dieu des écrans, j'aimais pas, je crois. Je crois que j'ai totalement... Oh putain, oui. J'ai détesté. Mais là, j'ai des dégâts de fou furieux. Je suis quand même plus à l'aise avec le jeu, je le sens. Je le sens tellement. Faut pas que j'oublie que j'ai une roulade aussi, hein. J'ai une petite roulade gratuite que je peux balancer quand je veux. Donc j'ai plus de thunes, les cristaux je peux pas, la clé je peux pas la prendre. J'ai laissé l'arme au shop mais Osef. J'ai pris ce qu'il fallait là-dedans, on peut se barrer. Trop bien ce perso. Trop bien. Ok. J'ai tout donné pour l'avoir. Du coup, j'utilise moins le cac. Dommage. Et vu que mon arme est forte... Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que... Et... Merde, loupé. Et... Voilà. Tranquillement, pas besoin de se presser. Faut peut-être pas mettre une grenade là-dedans quand même, on n'en est pas là. Je pense pas. On y va. Oh, lui il est bugué. Merde. Yes. Ok, c'est pas mal. Est-ce que vous prenez autant de plaisir que moi? Parce que je suis vraiment à fond dedans, c'est un enfer. C'est un enfer, vraiment. Je suis à fond. Allez, j'ouvre ça. Godroom, yes. C'est juste pour la Godroom que je l'ai ouvert. 70, médaille d'honneur, on a un cœur à 25. Ok. Allez, Godroom, donne-moi un truc de ouf. Désolé, je vous demande tout le temps hein, si ça se passe bien, mais c'est parce que comme on interagit moins... En fait, je vous lis moins quand on n'est pas sur un stream Pokémon ou un stream plus calme, genre Euro Truck ou quoi. Et du coup, je ressens moins en fait le fait que vous passiez un bon moment. Salut le ouf de Paris, salut Spokix, bonsoir. Je vais prendre le gland, je connais pas. Vos œufs peuvent bloquer les balles des ennemis, super. Pas dingue en gros, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ok, donc ça c'est fait. On y va. Ouais, le mode difficile, il est chaud. Je me rends pas compte. Hein. Oula, j'ai paniqué totalement là. Ok, ça c'est bon. C'est vraiment trop dommage d'avoir ce perso là et de pas utiliser son katana plus que ça en vrai. Je trouve. Ok. Là il y avait rien. Ok. Ok, ok. Ça se passe bien. Katana. En fait, le katana, limite, je m'en sers maintenant plus pour le déplacement, en fait. Autre chose. Oui, du coup, je peux pas les one-shot.
Ouais. Je sais pas, en vrai, à chaque fois que j'utilise le katana. En fait, à chaque fois que j'utilise la mêlée, je me sens hyper fragile. D'accord. Salut Sushito, comment tu vas? Mais non, à chaque fois je. Ah, R, c'est aussi la roulade! Ah, j'ai mis mes compétences là! Ah oui, c'est vrai! Il y a peut-être une meilleure touche pour les compétences du coup. Maintenant que j'y pense. Ok. Alors la secret peut être là. Elle peut être là. Ou là. Est-ce qu'on tente là? Ouais. Dommage. Ça veut rien dire. Ok. Il a pas d'animation de dégâts celui-là, ça me saoule à chaque fois, ça me stresse. Ça m'a donné envie de jouer, du coup je vous abandonne maintenant si je veux jouer et dormir ce soir. Bisous Schizofly. Bon, instant. Bon, je l'ai snipe lui mais il a rien compris. Hein. Oh là. Allez, on se fait au katana celui-là. Yes. On s'est pas tout pété à ce point, mais d'accord. Alors, du coup, là, niveau mobilité, on est bien de toute façon. C'est quoi ça? Haricot magique. Ah, c'était trop bien ça, je crois. Rends tout vos cœurs et augmente la portée de votre arme. Ah non, c'était pas si bien. Ah bah si, pour le coup, là, c'était bien, j'en avais besoin. Oh, j'ai tellement de cœur. Ça y est. Ça y est, j'ai tellement de cœur. J'ai des grenades à l'infini, on va pouvoir checker la secrète. Oula, attends. Attends, pourquoi? Ah oui. C'est-à-dire, pourquoi il te ferait utiliser une clé? Oui, je comprends mieux. Mais du coup, on peut pas roulade à travers ça. Pour la science. Putain, on peut. Oh non, c'est assez abusé. C'est abusé. Ça change rien en fait qu'il faut une grenade pour ça. Ah mais non, mais je pensais que ça allait rebondir moi, on s'abusait. Bon, je récupère mon bouclier. Ah, c'est abusé que tu puisses rouler dans les pics. C'est abusé. Par contre, la secrète peut être là aussi. Trop chiant. Coiffure de Saiyan. Putain, j'avoue. J'avoue. Ah, petite grenade. J'aurais kiffé un petit bouclier. 51 de thunes, c'est pas mal, hein. Attention de pas se mettre dans les pics, ce serait dommage. Bon, on va tester la petite grenade ici. Hein. Je pense. Non. Non plus. Merde, mais quel con. J'ai toute la mobilité du monde et je reste là comme un connard. Regardez ce qui se passe, quoi. Ah, mais il est pas mort? Je comprends pas. L'animation de mort de ce truc là, je comprends pas. Vraiment. Des petits boucliers là-haut. Ça fait plaisir. Bon, ça se met bien là. Bon, ça se met pas mal. Bien faire monter sa jauge, ça. Hop. Ok. On avance. C'est trop cool en vrai. Ah, Sushito, on t'a répondu dans le chat. Merci. Je fais confiance à Fulgu. Je t'avoue que j'ai pas lu ta question. Je crois que c'est une des premières fois que je fais ça. Où je vois que Fulgu t'a répondu. Du coup, je lis même pas ce qui s'est passé. Je fais confiance à Fulgu. Merci, Fulgu. On avance. Alors, chapeau de bouffon, c'était nul à chier. Hein. Chapeau de bouffon, je crois que ça ne servait à rien. Bombe de table, je sais plus, je crois que c'était pas fou.
Je lance 10 bombes après explosion de la bombe. Bon, ça me donne des grenades au moins. Pour pouvoir check des trucs, notamment ça. On y va. Ok. Je suis tellement concentré. Ok. Oula. Je crois que je commence à faire des dégâts là. Hein. Vu la taille de mon laser, je crois que ça commence à être pas mal. 65 de thunes. J'espère qu'on peut faire un truc avec ça. On va partir par là. J'ai pas l'impression de pouvoir me déplacer plus vite en dashant. Donc on va essayer. Alors là on avait essayé. Là on n'a pas essayé. La grenade. Pas ici. Du coup ça ne peut être que là en bas. Ici. Merde. Je vais arriver. Bah yes. Carte de monde, genre chaque fois que vous ramassez quelque chose dans cette salle, vos dégâts d'armes augmentent. Bah yes. Super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. C'est génial, on va aller au shop, il est juste là. Juste à côté. Qu'est-ce qu'on a à prendre? Ah là là, il aurait fallu 70 pour avoir un objet quoi. Le reste m'intéresse pas. Il me faut 70. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux récupérer un coffre quitte à utiliser une bombe? Peut-être justement il y aura... Ouais bon bah allez on y va hein. Allez 5 pièces. Bon je suis remboursé hein, c'est au moins ça. Et courage pour ceux qui chassent actuellement sur le stream. Charge des shiny, courage à vous. Force et honneur. Je rappelle du coup pour ceux qui débarquent à cette heure-ci que je ne stream pas demain, exceptionnellement. Demain, j'ai le droit de vous en parler du coup, mais demain je fais la Solus de Paper Mario. Ça commence demain pour moi, très très tôt, à 8h du mat. Et du coup demain je ne streamerai pas pour me pencher à fond là-dessus. Et je reviendrai dimanche en stream. Paf, pour du Randomizer Nuzlocke. Johnny. Non, avec la mobilité du perso, ce fight là, presque gratuit quoi. Si tu vises bien, si tu vises correctement. J'aimerais bien aller au cac, mais en vrai, je me dis que c'est risqué pour pas grand chose. Alors que là, c'est gratuit. Oh la pomme d'or, trop bien. Ça commence à être bon là. Ça commence à sentir bon, je vous avoue. Et j'oublie tout le temps que j'ai une roulade d'ailleurs. Je suis pas la solution avec nous. Non, je suis pas la solution avec vous. Ça va être trop chiant à faire ça sinon. Pour ce genre de jeu là où je suis pas plus hypé que ça de le faire en stream, je pense vraiment que ça va être plus être chiant qu'autre chose, je vous avoue. Cette soluce de Paper Mario. Donc non, je pense pas la faire en stream non. Donc eux en fait, je peux pas entrer en contact avec eux quand ils sont rouges. Ah, j'ai eu les sœurs zombies, tiens, j'avais même pas vu. Ok. J'ai un peu galéré dans cette salle. Ok nice. Donc c'est quoi en fait? Je gagne de la barre de sagesse quand je me fais pas toucher dans les salles, c'est ça? Non, je vais tester un truc. Non, ok. Le shop. J'aurais dû le faire après être allé voir. Ah la Gatling. Merde, je l'ai acheté, je voulais pas l'acheter, je voulais changer d'arme pour voir. Ah mais non, oh le con.
Ah le con. Ah tant pis, hein, c'est ma faute. Tant pis, deux erreurs d'affilée là. Ça c'est quoi? Serviette, c'est parti. Pas de panique, vous ne perdez qu'un demi-cœur quand vous êtes blessé. Super, génial. C'est génial. Et on y va. Ah, serviette, c'est super fort. Est-ce que je mets ma clé là-dedans? Allez. Je vis dangereusement. Mode roquette. Vous avez une chance de tirer une roquette thermoguidée. Ah bah voilà, bah j'ai plus besoin de bombes. C'est bon. C'est bon, c'est officiel, j'ai plus besoin de bombes. Du coup, on va retourner ici. Ah, par contre, il va falloir bien viser. Hein. Bon, ça va pas être là. Non, c'est pas là. Ok. Pas ici. Des bisous, The Young, si tu t'en vas. Et merci d'être passé ce soir. La thune, des cœurs, ok, pas besoin, on avance. Merde, je me mets dedans, je me mets dedans. Quel con. Ok. Bon, faut pas que j'oublie que je peux péter toutes les pierres maintenant. Faut que je fasse le tour de l'étage. Y'a une carte dans le jeu, oui. Il y a une carte ici. Bien. Il y a rien ici. Alors ça va être un peu chiant avec cette arme là. Mais bon, j'ai pas envie d'en changer. Trop forte cette arme. Je perds ma thune. Je vais être vraiment dégoûté je pense d'avoir mis autant de thunes dans l'arme sans vouloir. C'est bien, Panda Bar Shiny, ben GG à toi. Et pour le surnom malheureusement, voilà. C'est que je suis connu moi pour avoir des surnoms bien dégueulasses. Donc je vais pas te donner d'idée. Par respect pour ton shiny. Je connais pas ça. Vous laissez tomber des boucliers supplémentaires si un œuf vide éclos. Pas mal. Pas mal, donc on a tout intérêt à récupérer les œufs qui passent. Petite pierre de TP. Challenge room, 3 cristaux, on y va. Ah merde, j'ai un peu surestimé mon saut là. Plus vous êtes pièce, plus votre arme affiche de dégâts. Ah mmh. Ouais, je vois. Je vois l'idée. Ok, c'est un money equal power quoi. De Isaac. Super. Super. Salut Brocoli. Oui, c'est un nouveau perso, oui. Tout à fait. Nouveau perso que vous pourrez avoir si vous achetez le jeu avant mardi. Le jeu coûte 20€, je le rappelle. Disponible sur Switch, sur PC, sur PS4, sur Xbox. Disponible partout quoi. Donc là on avait dit non. Donc il est forcément dans une autre salle secrète encore. Enfin une autre grande salle qu'on n'a pas encore vue. Quand tu veux. Merci. Quand tu veux. Si. Et du coup là j'ai tous les toutes les grenades de ma vie quoi. J'ai 10 grenades quoi. Qu'est-ce que je fasse de ça? Bah non. Bah, la secrète elle est où du coup? Bah, elle est forcément. Elle est forcément là du coup. J'ai un peu peur de prendre des dégâts avec. Ok, donc les missiles marchent pas. Bien. On peut pas avec les missiles. Ah, je savais pas ça. Je ne savais pas. Ah, je me suis dit, bon, je vais prendre des dégâts, je pense. J'étais pas sûr. Je suis dit, au moins, je saurais.
Qui est gratuite, on va la prendre évidemment. Ok. Je vais refaire le tour de l'étage vite fait, parce que je vous ai dit, il y a sûrement des endroits où il y avait des pierres à casser, où j'ai pas pété, parce que du coup j'avais pas de quoi le faire. Pas ici visiblement en tout cas. Ah t'es déjà 22h46, mais c'est quoi ce bordel? Mais... On parle du défilement du temps ou pas? Je me souviens plus ce qu'elle fait cette boîte, on l'a eu juste avant. Est-ce que quelqu'un se souvient ce que fait la boîte à bijoux? Je me souviens plus. Il faut juste acheter le jeu, Stream Blast Max. Juste achète le jeu et t'auras les deux persos dedans. Du coup, ma VOD YouTube fait 1h30 déjà. C'est un enfer. On va prendre ça. Chaque fois que vous utilisez une clé, vous avez une chance d'obtenir une barrière. Ah ouais. Après, utiliser une clé, c'est pas dingue. Boîte à bijoux, j'essaie de retenir que pas fou. Pas fou quoi. Ok, let's go. Toc, ok. Ok. On en parle des dégâts de mon arme ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on parle des dégâts de mon arme? On peut en discuter hein. Ajoute un réceptacle de cœur. Super. Pourquoi j'ai pas pris cette pièce là? Plus. Et pourtant ouais, j'ai que 9 de thunes hein. Donc j'ai perdu des dégâts hein. Imaginez hein. Et du coup en plus c'était même pas vraiment worse parce que l'objet était pas. L'objet était pas, il était pas dingue. En vrai j'aurais dû juste acheter la clé. C'est ce que je voulais faire à la base. Ok, let's go. Ça tout à l'heure ça m'a mis en PLS hein. Ok. Je continue sur la God Room. Même si en vrai que tous les cœurs que j'ai, je pourrais partir sur du Devil Deal. Ok. Le shop est là. Ouh, c'est chiant ça. Je suis nul là, j'utilise vraiment ma clé là. Pas convaincu mais on va dire que c'est pour la God Room hein. Ok, let's go. Les œufs. Pas un truc avec les œufs aussi. Je crois que plus j'ai d'œufs éclos plus je fais de dégâts. J'ai pas un truc comme ça. Je crois que j'ai un truc comme ça. J'ai oublié une clé dans la salle d'avant. Ah oui effectivement. Et de la thune en plus. Merci parce que grâce à toi j'ai commencé la chasse. Et bien courage Sushitos. Si c'est une bonne chose, bon, ça me fait plaisir. Nice. Deux œufs, d'accord. Ouais si, je crois que j'ai vraiment ce truc là. C'est de l'armure quand c'est peut-être ça. Et voyez du coup, maintenant que j'ai un build confortable au cac, j'ai du mal à me servir encore de l'épée en fait. En dehors des déplacements comme ça. Bouclier robuste. Ajoute des boucliers, vous serez invulnérable à certaines attaques. D'accord, d'accord. Et en vrai, si je débloque ça, je peux aller directement dans une God Room. On va essayer, tant pis, hein, je dépense ma thune. Je devrais pas, hein, mais. Et on va peut-être voir cette théorie de maintenant si elle casse, elle s'ouvre quand même. Elle veut pas casser. Et du coup elle va casser beaucoup moins souvent je pense. Ah ça va être ça je pense le truc. Ah, c'était pas worse du tout hein. Oh là là, c'était pas worse du tout. Après ça dépend des objets que j'ai là-bas mais là j'ai plus de thunes. Tourbillon magique, bonbon à la menthe. Alors le bonbon à la menthe je crois que je l'ai jamais eu. Le tourbillon magique je l'ai eu mais il y a très longtemps et je crois que c'était bien. Mais on va tester le bonbon à la menthe, j'ai jamais eu. Vous laissez tomber un demi-bouclier chaque fois que votre familier évolue.
Oh, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Et ben pourquoi pas. Ok, pas mal. Salut Benja. Comment tu vas Benja? Hop. Petite grenade. Non, fais gaffe parce que je peux toujours lancer des missiles. Hein. Voilà, comme celui-là, comme celui qui vient de partir. On peut aller là-bas. Ah, ça va être chiant ça. L'explosion va forcément. Je vais essayer de viser un peu plus haut. Je suis un génie. Ouh, 52 thunes là. Oh le plaisir. Oh là là. Oh. Oh, c'est dégueulasse. J'imagine que t'as taffé toute la journée. Pourquoi tu dis ça hein? Est-ce que je suis du genre à taffer toute la journée? Je pense pas, monsieur. Mais pourquoi? Mon viseur, allô? Pas de quoi tu parles. Pas du tout. Hop, et du coup, un petit bouclier. Très bien. Fort. Donc là, on a vu tout à l'heure, si je suis pas le con, que. Hop. Tac, tac. Hop. Into. Là. Hop, hop. Hop là. Et voilà. Ok. Cette mobilité, c'est vraiment hyper satisfaisant. Bon là, mes dégâts sont insane, hein. Pas se mentir. Ah. Blaster. Alors je sais que ce sont des balles performantes, donc c'est en vrai c'est bien. Ah j'hésite. Qu'est-ce qu'on en dit? Mais c'est vrai que mon laser perfore aussi. Hein. Tout à fait. Et au moins lui je suis sûr qu'il fait des dégâts de ouf. Il a pas une portée ridicule. Non en vrai vous avez raison. Vous avez raison. Le chat a raison des fois. Voilà. Hop. Oui donc là si je refais le con. Merci. Ah. Je vais quand même tenter de péter ça parce que des fois il y a des loot dedans. Rien. Ok. 79 de thunes, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là où. En fait, faudrait vraiment que j'arrive à trouver tout de suite la touche pour changer l'épée. Hein. Trop important. Et eux, ils envoient des boules, ok. Les béliers envoient des boules. Très bien. Bon, j'ai pris des dégâts. Hein. J'ai pris des dégâts, c'est dommage. Yes. Rien ici. On avance. Oh, j'y suis allé. Ah, j'ai perdu 3 coeurs là quand même. Hein. Alors que. En y allant au pistolet. Tranquille quoi. 52 thunes encore là. Oh là là. Ah. Bon, ça va, on a fait pire tout à l'heure. Hein. Donc là on a le boss. Là on a peut-être une secret. Ah il m'avait dit que ça marchait pas avec ça. Ah ça va être chiant. Ouais. Tant pis j'ai préféré gâcher une bombe. Ok c'est pas là. Bonjour. 2077 c'est quoi ça? Le futur et vous êtes un grand rêveur, plus vous avez de bouclier, plus votre arme inflige des dégâts. Ça va être un massacre. Ouh. Ça va être un massacre. Il manque un truc où c'est écrit à quel étage on est en vrai. Merci Sushito pour le follow. Ou Sushitos. Bienvenue. Bienvenue. Je vais la récupérer. Ça.
Le shop, je l'avais pas ouvert. On va ouvrir le shop. C'est gratuit, ou presque. Ah, on a casque de combat. Baiser de feu. Ou des cœurs. Ou alors je garde ma thune parce que ça me fait des dégâts. En vrai, j'ai envie de prendre le casque de combat. J'ai envie. J'y vais. Plus vous avez bouclier, plus vous tirez. Je pense que le boss il est pas prêt là. Je pense que le boss n'est pas prêt. On y va. Ah c'est Argos. Ah bah peut-être qu'il est prêt en fait, ça va. Ah, mais regardez pas comme ça, hein, c'est bon. Pas ma faute, hein, d'accord. Je vais peut-être mourir d'une manière ridicule, ça c'est probable. C'est toujours probable. Mais le truc, c'est que là, je prends toujours qu'un seul demi-cœur de dégâts. Hein. Allez, tire-moi un petit missile là. Voilà, merci. Je prends toujours qu'un demi-cœur de dégâts par truc. Donc en vrai, ça peut le faire. Hein. Vu que je régène pas mal de cœurs avec mes conneries là. D'ailleurs, il y a un bouclier à l'entrée de la salle, on va aller chercher. Bon, je l'ai eu. Pas mal. Pas mal. Donc là, c'est 4 lasers du coup. Ouais, c'est débile. Ouais, c'est débile, hein. C'est bien ça. C'est débile. Tout à fait. Ouais, non, c'est débile. D'accord. Pas de problème, moi ça me va. Hein. Ok. Il va. Faut que je garde mes 4. Enfin, de toute façon, faut que je stack les boucliers là. J'ai plein d'œufs qui peuvent éclore, c'est trop bien. Ouais, ça commence à être pas mal là. Oula, c'est tout bugué là. C'est tout bugué. Screen. Screen pour les devs. Hein. Non mais par contre, il y a un moment où faut que ça marche en fait. Ah voilà, elle se casse et du coup ça s'ouvre. Ah. Mon plus grand ennemi. Jamais réussi une fois. Jamais. C'est précis en vrai. Ok, j'ai compris. Je me repère aux lignes là en fait. Augmente votre vitesse de déplacement, améliore votre arme. Bien. Allez, on se refait un petit coup. Plaisir. C'est la même. C'est facile du coup. Enfin, ça le semble plus. Oh putain, je vais pas y aller loin. Hein. Encore. Oh là là. Oh là là. Bon, j'y retourne. Hein. La dernière fois j'avais réussi. Ah, je pensais pas. Oh là, là c'est plus dur là. Oula. Oh, c'est plus dur. Hein. Non. Je... Ok, j'arrête d'utiliser mon argent. C'est déjà pas mal. Bon, c'est parce qu'en vrai, je pense que je suis déjà assez puissant. Hein. Je peux me permettre de. Renard blanc, tire une balle d'énergie. Et ça me fait péter en fait.
Bon, c'est stylé, hein, mais ça doit avoir un effet supplémentaire en vrai. Ça doit avoir un effet supplémentaire que je vois pas parce que là je tire pas sur des ennemis. Tirer une puissante boule d'énergie, si l'ennemi est détruit par la boule d'énergie, il laisse des cristaux. Il coûte 2 cristaux. Non merci. Renard ! Ah tiens, ton bouton de tir ? J'ai pas eu l'impression qu'on pouvait. Renard ! Wouion ! Wouion ! Oui, là d'accord. T'es pas des proutes en fait. Et du coup. Ça marche que quand t'as. Oui, normal. Non, mais ça c'est mieux. Enfin, ça fait des dégâts de ouf. T'as une portée infinie. Ouais, c'est mieux. Ça, je me suis chié dessus sur le piano, je suis trop deg. Oh, j'ai eu un bouclier de plus. Oh, ça... oh là là. Oh là là, ça devient. Oh, ça. Oh. Oh. Ça devient débile. Salut Mathieu, comment tu vas? Ok. Alors là, vous m'avez dit. Non, ça marche pas. C'est pas ici. Bon, là, vas-y, je mets une grenade. Mais non, mais. Ils ont fait un bouton pour ça et tu trouves encore le moyen de le chier, quoi. Possible. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Oh le con. Bon, j'ai encore mes 6 boucliers, ça va. 6 6. Tellement débile. C'est tellement débile. Bah ouais. Mon bouclier en. Quel bonheur. Quel bonheur de jouer quand t'as un build pareil, quoi. Non. J'ai 2 clefs. Ah, on a déjà eu ça. Augmente. Améliore votre arme. Augmente la vitesse des balles. Ouais, non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oh, en plus, on a une salle. Oh là là. Mais tout est génial dans cette run. Mais YouTube, je suis désolé pour la première game en fait. Hein. Je suis désolé pour la première game qui était nulle. Hein. Celle-là, elle est incroyable. Hein. Et la vidéo est archi longue du coup pour toi. Trinité. L'autre, ça fait rebondir mes balles. Le serre laser, ça marche pas. Votre esprit s'élève. Augmente. Ok. Bon bah voilà, c'est bon, je suis craqué. Ok, mais alors du coup par contre, le katana. Ouais, d'accord, c'est pété. D'accord, c'est bon, c'est win. Il y a un petit bouclier là-dedans. Non. Mais un œuf. Du coup les œufs, je suis content. En vrai. Salut Ingval, comment ça va? Bah écoute, cette run est incroyable. Ah, plus j'ai d'argent, plus je fais de dégâts, c'est ça? Ouais, je vois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. En vrai, le vol. No joke, hein. Le vol, je trouve pas ça pratique. En vrai, je trouve pas ça pratique. Ça me mindfuck plus qu'autre chose. Je passe là, oui. D'accord. Allons par là.
Oh là là, tous ces boucliers, mais tous ces boucliers, mais regarde ça, c'est dégueulasse. Non mais je suis désolé, mais voilà. Ah si je vais pas au bout du jeu, je sais pas ce qui peut me tuer maintenant, franchement. Je peux mourir parce que je suis un con. Je le sais, hein, mais je sais pas ce qui peut me tuer là. Avec toutes les protections que j'ai, je sais pas ce qu'il va falloir pour que je meure. Je rappelle que j'ai un objet qui me fait perdre, quoi qu'il arrive, que un demi-cœur. A chaque fois que j'ai un familier qui évolue, j'ai un bouclier qui spawn dans la salle. Si j'ai un œuf qui éclos, qui a rien dedans, je peux avoir un bouclier. Et plus j'ai des boucliers, plus mes armes font de dégâts. Mais regardez ça, vu les dégâts que je viens de faire. Je les one shot le truc. Bien. Toujours plus. Par contre les étages sont énormes. Tout ce que je voulais. Super. Ok. Échec de l'éclosion. Est-ce qu'il y a un bouclier quelque part? Je ne pense pas. J'ai beaucoup de boucliers. J'ai beaucoup de boucliers, ça se passe très très bien. Et du coup, le katana, malheureusement, on n'utilise plus du tout. Hein. J'utilise plus du tout le katana. Mais du coup là il est 23h07 et c'est toujours ma première VOD, YouTube va me détester en fait. Ah franchement je reprends un bouclier non. Parce qu'en vrai le reste je m'en fous maintenant, ma run elle est pliée je pense. Et plus j'ai de boucliers plus c'est le bordel. Après je peux peut-être... Ah c'est limité je crois. Regardez j'ai 5 tirs. Au plus de boucliers ça me sert à rien au-delà d'avoir de la protection quoi. Destructeur, non mais mon arme est trop forte. Par contre le plateau de Go, je sais plus ce que c'est. Je me souviens plus ce que c'est le plateau de Go. Limite là on va plus savoir si tu gagnes mais si c'est possible de perdre. Non mais c'est ça, hein. C'est ça. Tu l'as commencé à quelle heure cette run? Bah 21h. Non en vrai non, j'ai fait une run que j'ai perdu vers 45, 21h45. J'en ai refait une derrière que j'ai perdu très vite. Donc j'ai dû commencer cette run là il y a 1h10. Comme ça. Ah, ça fait 2h de VOD pour YouTube là quand même. Écoutez, je prends ça. Ajoute des balles supplémentaires, partir et augmente votre vitesse de déplacement. Ça marche vraiment en plus. Ah, j'ai eu un succès levé de bouclier. Je pense que j'ai eu le max du coup. Ok. Est-ce que j'ai fait le tour de tout? J'ai l'impression que oui. J'ai encore ça potentiellement. Ah mais en volant. Pour la science. Ah on vole pas dans cette salle, ok. Vas-y. C'est vraiment pas pour moi. Hein. Pourtant merde, j'en ai fait du piano. Hein. Oh là, j'en ai fait du piano. Et là, là, le jeu me fait comprendre que c'est tout quoi, c'est tout, c'est fini. Donc là, normalement, on a un boss normal, et c'est après qu'on aura un boss que j'ai jamais vu et que j'espère atomiser parce que sinon ça va être souffrance extrême. J'ai un peu de vie d'avance, ça devrait aller. Oh putain, je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre. Oh Charlie, oh bah alors Charlie, mon pauvre. Oh mon Charlie, mais oh mon pauvre. Oh le pauvre. Oh mais le pauvre. Oh, j'aurais pas aimé être à sa place hein. On va prendre ça. Je sais que ça diminue ma cadence de tir, mais ça augmente mes dégâts. Ça augmente considérablement vos dégâts d'armes. Non mais je dois être au max. Je pense que je peux plus aller plus haut là. Et encore j'ai que 3 de thunes hein. C'est débile. Oui le fly là pour le coup ça m'a... Je l'ai atomisé, je l'ai pas vu. Je pense que même lui il sait pas comment je m'appelle. Il a même pas le temps de me demander mon nom. Est-ce qu'on fait ça? Bon, si je trouve un bouclier, on fait ça. Parce que c'est quand même le dernier étage, j'ai envie de faire ça bien quoi. Ok. Pas fini encore? Ah non, y'a un connard là.
Il est encore là? Ah, il y a un bouclier. Il y a un bouclier, du coup, je vais aller le faire. Bon, là, il y a des petites pièces aussi. On va les prendre. Là, c'est full débile, hein. Ah, mais en plus, je pouvais rentrer gratuitement. Oh, c'est génial. Oh, j'ai que deux clés, par contre. On y va. Non, c'était pas worse. C'était pas worse, vu que j'ai que deux clés, mais bon. D'accord. Allez, je vais aller par là, vite fait. Je viens de rincer la salle là en. Il y a tellement de. Il y a tellement de boucliers. Il y a un bouclier et demi. Quelle vie. Ça je connais pas. Ça on sait que c'est génial. Ça c'est en grosso modo un all stats up. Mais ça on connaît pas, donc on prend ça. Je vous vois, vos balles ont une chance de suivre les ennemis. J'espère que ça marche pour les lasers. Je vais espérer que ça marche pour les lasers. D'accord? On espère ça très fort tous? Allez. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air de marcher. Je vous le dis. Oh putain, il y a tellement de boucliers. Même si je me fais toucher dans cet état, j'ai tellement de quoi me régène, mais mille fois quoi. Je veux vraiment l'économie alors que je pourrais juste balancer une grenade. Hein. Je suis un connard. Grenade, j'en ai 16 quand même. Oh, un 9. Décidément. Et. Ah, carrément un objet là-dedans? Votre balle a une chance de se diviser en balles supplémentaires. Ah ouais, mais. Ça marche pas aussi du coup. Ça marche pas, j'ai pas de balles. Je vais pas me plaindre en vrai. Je peux décemment pas me. C'est tellement débile. Tellement débile en fait. J'ai tellement de boucliers, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Genre, c'est quoi une clé? Ah oui. Baguette magique, masque rituel. Je crois que la baguette, on l'avait déjà vue. Masque rituel, ça me dit rien. Ajoute un réceptacle de cristal. Vous pouvez récupérer des cœurs en utilisant 5 cristaux. Ouais, ça va pas m'être utile, je pense. Je pense pas. Ah, y'a le boss là. Non, on termine les tâches quand même, on profite. Pour ça, on a une bonne vidéo de 2 heures là. Je clique trop vite sur ma souris. Oh là là. Pour faire une run après celle-là, ça va être compliqué. Hein. Oh. Il rentre, piou, il ressort. C'est tellement ça. Tellement ça. Ouais, vas-y. C'est débile, mais ouais, vas-y. Oh, le petit miroir là. Miroir de poche. Au bouclier, ça sert pas à grand-chose. J'ai failli l'acheter, hein, par réflexe. Petit miroir de poche que j'ai jamais vu. D'accord. Ah, il nous manque 9. Ah, il manque pas grand chose. Il va. On va checker les secrets aussi. Hein. Ah merde! Ah merde! Ah oui, j'ai fait E et ça a changé mon arme. Ça a pas utilisé le truc. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On aurait pu avoir un. Non, on aurait pas pu avoir de God Room encore sur cet étage, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse. J'avais bien perdu un bouclier, il me semblait bien. C'est débile. D'abord, on a une machine qui nous mène à on sait pas quoi. On va le faire. Encore une salle de piano, je vais être vénère. Je vais te faire mal exprès pour avoir le devil deal. Ouais. Ah bon?
Ça marche comme ça. Alors la machine a moins de chances de réussite qu'avant. Clairement, avant c'était du 50-50 j'ai l'impression. Mais quand elle cassait, elle restait. Et du coup on pouvait pas passer. Maintenant les chances de réussite sont beaucoup plus bas, je pense, dans genre 20%. Et par contre quand elle casse, on peut rentrer quand même. Je sais pas pourquoi je fais ça, en vrai j'ai pas besoin. Tout que j'arrive pas en fait. Concentre-toi. Concentre-toi. Tu l'as fait tout à l'heure. Allez, concentre-toi. C'est dur au clavier. Je suis nul hein. Ça c'est dur ça. C'est chaud au clavier en vrai. Oui. Yay. Il est où mon objet? Raisin confit. Vous laissez tomber un cristal supplémentaire si un œuf vide éclos. Comme ça. Cette run est immonde. Vraiment. Je me trouve dégueulasse hein. Oh là là. Comme si c'était pas suffisant. Donc là vous me dites que je peux me tataner la gueule pour monter tout seul mon Devil Deal. Et vu que j'ai 1 milliard de boucliers, ça passe. C'est ce que vous me dites. Je trouve la salle secrète. Je peux être là. Du coup si je me tiens prêt, je vais me prendre mon missile en même temps. Je regarde ma barre de Devil Deal. Eh mais non, oui, ça marche pas. Bon écoutez, je teste avec une grenade pour voir. Bon, j'ai trouvé. Mon Devil Deal a monté. J'ai peut-être faire le con, hein, ça se trouve, hein, je prends la confiance et ça va mal se passer en fait. Hein. Enfin. Bon du coup pour me tataner la gueule, faudrait que je fasse ça. J'ai pas eu l'impression que ça a monté mon truc, non? Ajoute des boucliers. Ouais, je réessaye. Non, ça monte pas à ma barre. Ça ne monte clairement pas à ma barre. Dommage. Après, c'est peut-être parce que c'était une salle dans laquelle j'avais déjà pris des dégâts. Non. Non, ça marche pas. Ok. Pour moi, on a le cœur net. Ça me dérange pas d'essayer là que j'ai une run pétée. Ça me dérange pas du tout. Et donc là, normalement, je suis au max. Hein. Je vais vérifier. Ça monte que dans les zones de fight, je crois. Oui, voilà, parce que quand tu prends un dégât sur une zone de fight, tu gagnes un truc. Mais je pense pas que ça marche autrement. Donc là, je suis bien full, ok. Bien full. Je vais quand même récupérer des cristaux. Au cas où, ça me ferait avancer sur le palier suivant. Au niveau suivant, je pense que ça va me bloquer, que ça va me dire fin de run, MDR, t'as débloqué un nouveau boss, mais ce sera la prochaine fois quoi. Sur la démo, il y a des items que tu prends qui sont pas actifs, ils sont visibles au-dessus de ton perso. Ok, je sais pas. Ça sera peut-être ajouté par la suite. Parce que des fois, ils ont enlevé des trucs pour pas que ça pose de problème. Ok, bon bah un boss que j'ai jamais vu. Ah bah Al, oui, Al, celui qu'on doit faire du coup, que je connais absolument pas. J'ai rien compris. Attends, quoi? Ah mais excusez-moi. Oh, mais ça quand t'as pas le vol? Mais ça doit être un calvaire. Ajoute un réceptacle de cœur et un réceptacle de cristal. Oh, j'ai le temps. Et donc là c'est fini du coup. Ah si, ouais mais sans le vol, mais ça doit être horrible. Parce qu'il est loin en plus, hein. Pour le toucher, si t'as pas de range, c'est mort. Mais sans voler, c'est impossible. Perdez peu à peu conscience, une lumière chaude vous enveloppe. Nouvel objectif terminé. Et donc on gagne des gemmes supplémentaires hein, maintenant du coup. Enfin, avec la mise à jour, la bêta de la mise à jour. Mais dans la mise à jour suivante, vous pourrez débloquer plus de gemmes par boss. Là j'en ai débloqué 4 par exemple pour terminer ce boss là. Alors que d'habitude j'en ai eu qu'une. Ah, le vol c'est trop fort.
Vous avez déverrouillé un nouveau gardien. Zeus. Énergie principale du monde moderne, l'électricité régit la société, la civilisation. Si nous perdons d'une façon ou d'une autre une puissance électrique, le monde sombrera dans les ténèbres. Je vais acheter des trucs. J'ai 15. Bon, je débloque le perso, au moins c'est fait. Ah, j'avais pas vu ça, ça a changé là. Mais même ça, ça y était pas. Tout ça, si ça y était, ça y était peut-être. Ça, c'est sûr, ça y était pas. Œuf nauti, un œuf qui ne peut manquer de éclore. Mais méfiez-vous de certains animaux de compagnie nautique qui peuvent éclore de cet œuf. Mais jamais tu le prends en fait, ça. En vrai, enfin je veux dire, ça, ça vaut même pas le coup de prendre. En fait, ça vaut pas le coup d'ajouter. Ça faudrait que je le dise aux devs en vrai. Si ça paraît pas logique pour eux. À moins qu'il y ait un truc que je comprenne pas dans l'arbre de compétences. Mais en vrai, pourquoi tu vas aller acheter ça qui est dégueulasse, plus ça qui est dégueulasse, pour avoir ça qui est finalement pas ouf? Si encore là, c'était débloquer une arme insane. Bah tu te dirais bon bah ça vaut le coup de mettre ça dans tes pools d'objets et de te taper ça pour avoir ça en fait. Mais là tu tapes deux trucs immondes. Enfin tu débloques deux trucs immondes pour tes parties. Pour avoir ça, c'est nul. C'est nul, non c'est nul. Pour le perso, même si je pense pas que je le jouerai en vrai, je vais m'habituer à jouer le perso que j'ai joué ce soir. Mais au moins c'est fait. Ah et j'ai débloqué le 2 du coup. Regardez un peu, couronne de balles, à chaque fois qu'un ennemi est tué dans cette salle, le nombre de balles de votre arme augmente. Pas mal ça. Salle d'intersection. Il est temps de prendre une décision, écouter les autres ou suivre votre cœur. Ok. Ok. Donc sûrement que du loot en haut et en bas, tu choisis au début, tu peux pas savoir ce qu'il y a, et après t'es direct parce que tu vois ce qu'il y avait en face. Ouais, je vois. Manekineko, miaou, vous obtenez un bonus supplémentaire quand vous ramassez des pièces. Bon. Salle de danse, salle spéciale, allez danser et que ça saute. Sûrement une salle de défi comme le piano. Un anneau électrique vous entoure et inflige des dégâts aux ennemis proches. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal. Ça fait penser un peu au. En fait, Maw of the Void. Ou Atame. Mais Atame constant du coup. Sûrement moins fort, mais ça fait penser un peu à ça. Chaque fois que vous tuez un ennemi avec des dégâts de mêlée, vous avez une chance d'obtenir une bombe. Pas dingue. Soldat à la retraite avec un certain penchant pour les explosifs. Après avoir explosé, la bombe se divise en plusieurs autres bombes. Ouais, donc bombs, hard bombs, je sais plus comment s'appelle cet item là. Des bombes dans des bombes quoi. Chaque fois que vous tuez un ennemi avec des bombes, vous avez une chance d'obtenir un lutin maléfique. Lance 10 balles rebondissantes après l'explosion de la bombe. Et pas dingue hein, tout ça là derrière. Si vous êtes blessé dans cette salle, un anneau électrique vous entoure et inflige des dégâts aux ennemis proches. Donc ça, c'est Atame, en fait. Distributeur règle qui sait ce que vous obtiendrez. Et pomme d'amour, chaque fois que votre famille évolue, vous laissez tomber un demi-cœur. Un service pratique, échanger des pièces contre d'autres objets. Qu'on va rencontrer leur employé souriant. Ok. Pas mal. Pas mal. YouTube, du coup, cette VOD s'arrête là, bordel, 2h08. Tu dois me détester, 2h08 de VOD. Mais ça valait le coup. J'adore ce perso. J'adore ce perso, même si on a peu joué corps à corps, du coup, sur la fin. Mais j'adore ce perso. À la prochaine, YouTube. N'hésite pas à liker, commenter, partager tout ça. Viens sur les streams pour vivre tout ça avec nous. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux également, hein, hyper important. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine. Au revoir, YouTube. Et bisous.